Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très très gros épisode dans lequel, eh bien, Caris va affronter Sirenhead sur Minecraft. Un épisode qui va sans doute beaucoup vous plaire, puisque voilà, ça vous avait beaucoup plu déjà quand Caris avait affronté Annabelle. Bon, c'est vrai que quand il avait affronté Annabelle, le combat était relativement petit, mais cette fois-ci, vous allez voir, le combat va vraiment être épique. Vous allez me dire, mais comment est-ce que tu vas faire pour que Caris combatte Sirenhead? C'est très simple, voilà, comme vous le savez, Sirenhead m'envoie des petits messages vocaux, des petits appels, des petits SMS de temps en temps. Et là il m'a envoyé un petit message ce soir comme quoi il viendrait à la maison, etc. Il m'a dit, enfin vous savez, c'est... Il m'envoie juste des messages parce qu'en gros quand il laisse des messages vocaux, tout ça, c'est des bruits de sirène. Alors comment va se passer la vidéo? Elle va se passer en deux parties. La première partie, vous allez voir, elle va être super intéressante aussi. Franchement, vous allez trop kiffer. En gros, voilà, vous savez que Bob, mon plus petit enfant, le petit bébé que j'ai eu avec ma copine, eh bien c'est un petit prodige. Voilà, c'est franchement un mec très très chaud. Voilà, il est vraiment monstrueux. Souvenez-vous, une fois il s'était vraiment transformé en monstre, enfin terrifiant, il était beaucoup trop chaud. Et ce qui fait que voilà, faut quand même se méfier du petit Bob, il est franchement très très chaud de temps en temps. Et du coup, pour entraîner Caris, je me suis dit, voilà, il lui faut quelqu'un de redoutable, quelqu'un de très puissant, voilà, pour vraiment l'entraîner contre Sirenhead, parce que Sirenhead, ça a vraiment pas l'air du rigolo. Je pense que c'est même plus vénère que Annabelle. Ce qui fait qu'en fait, dans la première partie de vidéo, on va aller se rendre dans un stade de foot, genre vraiment, enfin un stade de football américain ou peut-être de baseball, on va voir lequel on va se. Enfin, dans lequel on va se rendre. Et du coup, Caris va s'entraîner contre Bob, donc il y aura des combats entre Bob et Caris. Évidemment, des combats qui ne seront pas des matchs à mort, hein, voilà, ce sera juste de l'entraînement. Oh, dommage! Non, n'importe quoi, raconte pas n'importe quoi. On va se battre. Et ensuite, dans une seconde partie, voilà, une fois qu'il sera bien entraîné, le petit Caris, ça se trouve, si Bob est plus fort que Caris, bah ce sera Bob d'affronter Sirenhead. Et je pense que voilà, on va choisir Caris parce qu'en fait, le truc de Caris, c'est que Caris, lui, il peut devenir en fait, comment dire, il peut revivre en fait une fois qu'il est mort. Voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Voilà, donc dans la seconde partie, on ira, bah ce sera le combat entre Caris et Sirenhead. Dans la première, il va affronter Bob dans une arène. Du coup, voilà, si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne louper plus aucune des prochaines vidéos. En plus de ça, tu feras partie de la team zombie. La team zombie, c'est qui? C'est tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Du coup, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et si tu veux un nouveau combat de Caris contre un gros monstre, voilà, ça peut être n'importe quel monstre, et eh bien je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, puisqu'à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous promets de refaire un Caris vs quelqu'un. Du coup voilà. Bon, déjà la première chose que l'on va faire dans cette vidéo, comme je l'ai annoncé, la première partie, c'est que Bob va s'entraîner, enfin Caris va s'entraîner contre Bob. Du coup, bah Bob et Caris, suivez-moi, on va aller prendre tout simplement les bus, parce que je sais pas où est ma voiture encore. Elle était restée au restaurant, je crois, parce qu'on était trop gros pour la conduire, enfin bref, c'est un délire. Et du coup, bah on va y aller en bus, on va se rendre tout simplement dans un grand stade. Voilà, on va se rendre dans un grand stade. Allez, venez. Hop, du coup, on va se rendre directement au bus. Et puis, une fois qu'on a pris le bus et qu'on est rendu au stade, eh bien, je vous reprends à ce moment-là pour commencer l'entraînement. Du coup, à tout de suite, les abonnés. What, les abonnés, on vient d'arriver au stade. Et en gros, je crois que c'est une de mes voitures, ça. Hein. What? C'est, je crois, c'est la première voiture que j'avais perdue, tout simplement, voilà, dans l'octogone entre Caris et Booba. Vous allez voir, parce que regardez, le stade, je l'ai pas choisi au hasard. Du coup, on a pris le stade de football américain. Ouais, je l'avais oublié ici, carrément. Bah du coup, on va pouvoir la reprendre ensuite pour rentrer, ça va être trop bien. Du coup, regardez. Alors, attendez, il faut rentrer dans le stade, on va rentrer par l'entrée des joueurs, voilà. Bam, trop stylé. Et du coup, ici, on avait construit un énorme octogone. C'était quand il y avait le combat entre Booba et Caris. Du coup, bah pour tous ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je vous l'afficherai à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, du coup, petit stade de WWE ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans les tribunes et je vais laisser tout simplement les stars un petit peu... s'affronter. Du coup, bah attendez, je trouve un moyen d'aller dans les tribunes, parce que je sais pas par où je peux monter en fait. Comment on monte dans les tribunes? Attendez. Non, c'est pas par là. Ici, c'était vestiaire. What? Bon, les abonnés, on se retrouve une fois que je suis dans les tribunes. C'est bon, les abonnés, je suis dans les tribunes. Et du coup, regardez. Hey, qu'est-ce que tu fais, Bob? Hey, oh, tu me fais mal. Non, essaie pas de me décrocher les petites flèches là, ça fait mal. Bon, du coup, moi je vous observais en zoomant comme ça, voilà, regardez, je vais les observer comme ça, aussi un peu de loin si c'est vraiment trop le bordel, parce que je sais pas trop à quoi ils vont s'affronter, hein, clairement. Mais du coup, vous êtes prêts ou quoi? Oui. Vas-y. 3, 2, 1, action, l'entraînement débute, let's go. Ok. Ah, je vais pas m'énerver parce que j'ai pensé de faire mal, t'es un petit bébé en même temps. Oui. Oh. Ah, premier coup pour Bob. Ah, là, attention, c'est égal au niveau des coups. Ok. Oui. Ah là, ça se frappe, il se frappe exactement pareil. Ah, attention, un petit avantage pour Bob. Oula, j'ai mis un sacré coup de souris. Parce qu'encore, vu que je suis en zoom, voilà. Ok. Bon, ah, oh, ils ont sorti des couteaux. Oh, attention, ça commence à devenir plus vénère. Hey, je vous ai rappelé, c'est pas un match à mort, hein. Faites attention. What? Non, attendez, hey, vous sortez les guns et tout, là. Wow, vous êtes chaud. Qu'est-ce que vous faites? What? Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. What?
Non mais vous êtes complètement malade. Attends, il se tire dessus. Il se tire dessus au bazooka. Ah Karis, je croyais qu'il était mort. Ok, non, en fait ils sont encore vivants. What, attendez, mais ils sont tous les deux vivants encore. Attends, hey, attendez, votre papa. Votre papa il est pas invincible comme vous hein. Attendez Billy. Wow. Là c'est un peu le bazar. Eh mais c'est... non mais c'est des... ils sont complètement malades. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de... Oh le stade. Et par contre le stade. Ouh là, ça va coûter cher ça encore les abonnés. Oh. Non mais par contre moi je vais prendre trop cher ici. Attendez, je me planque ici. Ok ça va, les tribunes n'ont pas pris dans... Enfin on a pas... j'ai pas pris dans les tribunes. Mais par contre c'est des gros malades. Hein. Regardez ils allument des TNT et tout. Wouah les bazookas. Wouah. Non. Bon attendez, je vais stopper le combat là, c'est plus possible du tout. Stop. On arrête l'entraînement. Non mais what? Stop. Eh, stoppez. Karis t'arrête. Bob t'arrête aussi. Non. Stop non. Eh vous allez brûler votre papa là. Allez. Eh tous les deux, calmez-vous tous les deux là. Eh non mais là ça va pas du tout en fait, vous faites n'importe quoi. Bon, Karis et Bob. L'entraînement, je peux le considérer déjà terminé. Là, c'était vraiment... What the fuck? De quoi? T'as dit quoi, Karis? On a fini de commencer. Si on continue encore pendant 10 minutes, on est rendu où vous êtes en train de poser une bombe nucléaire dans la ville. Enfin, genre, enfin non, c'est pas, ça se pose pas, mais vous êtes en train de faire tomber une bombe nucléaire dans la ville. Non, on va arrêter ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la voiture, voilà. Et on va rentrer à la maison, je pense que l'entraînement, voilà, on n'a pas besoin de faire l'entraînement. Karis, tu vas affronter sans entraînement Sirenette. Bon là, t'as fait un bel entraînement déjà, je pense que c'était assez vénère. Et en plus, je pense qu'on peut pas faire plus vénère, à part avec une bombe nucléaire, mais bon, on va pas appeler le docteur V pour ça. Bon allez, du coup, les abonnés, là, je vais récupérer la voiture, on va rentrer à la maison. Et voilà, on va aller, tout simplement, on va attendre ce petit combat, on va attendre Sirenette de pied ferme pour ce grand combat qui va avoir lieu entre... Karis et Bob. Allez, let's go, on monte dans la voiture. Franchement, je suis refait, j'ai retrouvé une voiture en plus, ça c'est vraiment nice. Bon allez, on se retrouve directement une fois qu'on est à la maison, les abonnés. C'est bon, on arrive enfin à la maison, les abonnés. Par contre, la voiture, ça se voit que ça faisait super longtemps qu'elle avait pas roulé, parce qu'elle fait un bruit monstre, genre vraiment, c'est abusé le bruit qu'elle fait, genre on dirait vraiment une tondeuse à gazon, je sais pas, c'est... Enfin, une tondeuse à gazon x 1000 le son, tu vois. C'est vraiment hardcore, elle fait trop de bruit, hein. Je pense qu'il faudra l'amener chez le mécano, parce que sinon ça va être chaud. Par contre, le temps qu'on fasse tout ça, etc., il commence déjà à... Enfin, la nuit commence déjà à tomber, genre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, oui. Bob? Heureusement que tu nous as arrêté dans notre combat, sinon je l'aurais défoncé, Karis. franchement, les deux là, franchement, est-ce que vous voulez un épi... Hey. On va faire un truc les abonnés. J'ai demandé 10 000 likes pour un autre combat de Karis. 15 000 likes, je fais automatiquement le combat entre Bob et Karis. Alors là, franchement, mais les deux petites stars là. Tu vas gagner. Justement, je sais pas trop en vrai. Hey, faites vos pronostics dans les commentaires. Qui gagnerait entre Bob et Karis? Bon, du coup, ouais, les abonnés, c'est qu'on va attendre qu'il fasse nuit. Et genre, une fois qu'il fait nuit, bah, je vais reprendre la vidéo. Puis on va attendre que Sirenette arrive tranquillement. Du coup, voilà, on se retrouve dans un instant lorsqu'il est à peu près 21h. Allez, à tout de suite, les abonnés. C'est bon, les abonnés, il est un peu plus de 21h. Voilà, il est 21h34, mais bon, c'est pas trop grave. Du coup, voilà, là, on attend tranquillement. Voilà, que Sirenette arrive. J'ai pas eu de nouveau message de lui. J'espère qu'il va venir, voilà, pour qu'on puisse affronter, pour qu'il puisse affronter Karis. Franchement, ça va être vraiment quelque chose de ouf, je pense. Hein. Franchement, je sais pas trop ce que ça va donner, les abonnés, mais je pense vraiment que ça va être dingue. On peut déjà regarder, je sais pas, aller à l'extérieur, peut-être, je sais pas. Papa, Karis, il se dégonfle, hein. Regarde. Il est là. Attends. Où est-ce qu'il est maintenant? Ok. La sirène retentit. Ok. Il est là-bas. Regarde, il arrive de l'avion. Il arrive de la... Okay. Wow, ok. Karis, t'es prêt ou quoi? Oui. Vas-y. Ok. Oh. Allez, Karis. Je sais que tu peux le faire. Allez, vas-y, te découvre le pas. Ok, c'est bon, Karis. Wow! Moi, je veux pas le voir avec moi, je t'en prends plus! Tu sirènes à toi? Non, tu sirènes tiède, ouais. Ah, c'est pas toi là, ta tête de crustacé là. Je te casse en deux, moi. Wow, même pas par un gros chien, on tombe, va. Personne veut toi, personne t'aime, espèce de babybel périmé, ma. Il arrive pas à le faire. Vas-y, casse-toi, c'est ça là, avec tes jambes de propre-nelle là. Tiens, va. Wow! Ok, il a tiré une roquette, faites attention. Il a tiré une roquette. Ok, s'il y a un zombie, fais gaffe. J'arrive. Ok. Ok, il attaque encore Karis. Ok. Je sais pas ce qu'il fait. Karis, ça va? Non, j'ai pas d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais. Oh, attention, Sirenette. Non, viens vite. Karis, viens, rentre. Non, il peut pas passer par là. Ok, s'il y a ses grandes jambes, genre. Ok. J'arrive pas à taper. Ok, il repart.
Je sais pas ce qu'il fait. Ok, il est reparti. Ok, il est en train de repartir. Il n'y a plus vraiment de bruit. Ok, ok, c'est chelou. Il est reparti. Il a eu peur, il a eu peur. C'est méga chelou parce qu'il n'y a plus de bruit, genre. Il est silencieux à moitié. Ok, ok, venez. J'entends les sirènes dans ma tête. Eh, mais vous avez pas réussi du tout à vous frapper, par contre. Même lui, il arrivait pas à te frapper, genre. Mais t'es trop grand. Ah, il a mal à la tête. Il revient. Ça va, Carice? T'es prêt à combattre? T'es prêt à combattre à nouveau? Il revient. En tout cas, les abonnés, le combat était vraiment bizarre parce que du coup, Carice, effectivement, quand il est en forme vraiment. Oh, il revient. Je vais l'attaquer. Oh non, Bob, reviens. Ok, reviens, rentre dans la maison. Carice, t'es prêt à le combattre ou quoi? Non, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal à la tête? Ok, il est juste là. Venez, on rentre dans la maison, on rentre dans la maison. Il peut rien faire dans la maison, c'est vraiment uniquement quand on sort. Genre ça, j'ai remarqué ça, j'ai sirené les abonnés. En gros, il reste aux fenêtres, etc. Il peut pas déplacer les blocs ou quoi que ce soit. Par contre, il est juste là, genre. Il est où? Il s'est barré. Ça va, Carice? Qu'est-ce qu'il y a? Oula, Carice, il a pas l'air d'aller bien du tout. Et franchement, les abonnés, c'était bizarre comme combat parce qu'il y a vraiment eu aucune frappe. Mais en même temps, Carice, quand il est grand, c'est pas possible qu'il se fasse frapper, je pense. Et du coup, Sirenhead, j'ai l'impression que c'est. Tu lui as vraiment mis des grosses patates à Sirenhead, il bougeait pas d'un poil, hein. Je sais pas, j'ai mal à la tête. Comment ça se fait que t'as mal à la tête? J'entends les sirènes. Ouais, on entend aussi les sirènes. Ok, bon, peut-être tu vas aller dormir. Je crois qu'il a pris cher, Carice, en fait, dans le combat. On n'a pas l'impression comme ça, mais j'ai l'impression qu'il a pris cher, Carice, durant le combat. C'est hardcore. Ok, ok. Ça va? Tu te sens comment là, Carice? Qu'est-ce qui s'est passé en moitié? J'arrive plus à bouger. Ok, il a l'air à moitié paralysé. Écoute, Carice, attends, tu veux que je te porte dans ton lit? Vas-y, tiens ma jambe comme ça, je vais t'amener jusqu'à ton lit. Vas-y, viens. Hop, vas-y, t'arrives à suivre? Ok, c'est bien, Carice. Allez, on y va, les abonnés. Ok, je crois que Carice, il a vraiment pris cher. Il se passe quoi dans ta tête, Carice, en fait? Ça résonne de partout. Ok, je suis désolé, je voulais le battre, mais j'ai pas réussi. En fait, je pense que le fait que tu... Vas-y, couche-toi dans ton lit, t'inquiète. En fait, je pense, Carice, le fait que tu sois rapproché vraiment de lui, t'as dû vraiment prendre cher au niveau de la tête, au niveau des sirènes, tout ça. Je sais pas s'il est encore là, on va aller vérifier vite fait avec Bob. Reste là, Carice, reste là. Hop. Je vais vérifier vite fait dehors, vas-y, je vais vérifier vite fait dehors, reste là Bob, reste ici. Oui papa. Ok, bon, terrible adversaire encore une fois, Sirenhead, c'est un peu comme Annabelle, c'est des combats qui... Voilà, c'est pas de la frappe et tout comme on a pu voir tout à l'heure avec, avec Bob et Carice, mais ça reste tout de même très impressionnant. Par contre ça clairement, voilà, va falloir faire réparer, mais je crois que ça va parce que je crois qu'il devait refaire la route. Bon, peut-être pas autant refaire la route, mais regardez, Cédric il s'en bat les reins. Non, c'est pas Cédric, c'est Philippe il s'en bat les reins, il était en train de passer dans la terre lui, alors lui... Que le chemin où soit là ou non, il s'en bat les reins. Le zombie, il attaque même pas Philippe. Bon, du coup, les abonnés, ce qu'on peut conclure sur cette vidéo, la petite conclusion qu'on peut en faire, c'est que Sirenhead, c'est un adversaire tout aussi redoutable qu'Annabelle. On peut pas vraiment les frapper, c'est-à-dire que c'est des adversaires, en fait, qui jouent plus sur la psychologie dans un combat. Et donc là, apparemment, bah, vraiment, Carice a été noyé dans la peur un peu tout, Carice. Ok, ça va un peu mieux? Oui, j'arrivais même pas à caler de bonnes punchlines. Ouais, j'avais... Ouais mais ça allait, t'as pu lui mettre des grosses patates mais ça lui faisait rien du tout, j'ai l'impression. Bon, les abonnés, clairement. Ok, bon bah à mon avis les abonnés, on va être embêtés toute la nuit par Sirenhead. Mais voilà, tant qu'on est dans la maison, ça ne craint rien. Et je pense que du coup Sirenhead aura disparu dès demain matin. La conclusion qu'on peut faire de tout cela, c'est que Sirenhead est un nouveau terrible adversaire de la famille Diabolovi 35. Je sais pas exactement la relation qu'il entretient avec Annabelle. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que c'est vraiment... Il n'y a aucun lien entre les deux, on verra ça dans les suites des épisodes. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Du coup, bah, si vous voulez suivre ça dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et puis ne quittez pas, là, allez cliquer sur la vidéo l'octogone entre Carice et Bois, c'était vraiment cool, donc cliquez dessus. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Azibex, Raisin ainsi que Invisible Man d'avoir participé à cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Bye tout le monde les potos, je vous aime et à très très vite.